Bonjour à tous, on affronte aujourd'hui un joueur premier dan sur KGS. Donc on a 10 minutes chacun et 5 fois 20 secondes. Donc je dis bonne partie et on va commencer par un Wushi. Alors sur KGS ça devrait jouer un peu plus rapidement que sur EGS, je pense, surtout que le temps est plus limité. Je vérifie juste ça, c'est bien ça, 5 fois 20 secondes. On va jouer deux Wushi. Il joue Oshikomoku, très bien. Ici, on va empêcher qu'il fasse un Shimari, une fermeture de coin. Très souvent, on joue en D5, mais pas là, très bien, il pince. Ok. Les pinces sont un peu plus rares maintenant, parce que sur toutes les pinces de Komoku, vous pouvez Tenuki. Ici, je peux très bien me dire, je m'en vais, parce que quand je vais en R3 et qu'on joue la séquence, il finit Sente, effectivement, il garde l'initiative. Mais. Quand il rajoute un coup en E4, on pourra peut-être encore faire quelque chose de cette pierre. Soit jouer directement vers D4, soit la garder en Agi et nous-mêmes en jouant par là tout de suite. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On va venir par là. Dire ok, tu m'as pensé, il faut que tu rajoutes un coup au moins pour prendre ma pierre. Moi pour l'instant, je vais prendre un autre coin. Donc là, il y a des chances qu'il monte. Mais moi, on vient là. Il rajoute un coup, très bien. Qu'est-ce qu'on a envie de rajouter ici? On peut rajouter ce coup-là, ce qui revient au Joseki à la place de S6, j'allais en R5, il jouait le Hané, et moi je répondais S6. Ça existe aussi, c'est les deux variations. Je pense que c'est ce qu'on va faire le plus simple. On n'a pas trop de temps, donc on va pas réfléchir trop à 36 000 séquences, on va essayer de jouer simple. Sinon, comme d'habitude, je vais. Très rapidement, au coup 60, on serait là, mince, je suis déjà en BOMI. Bon, aussi bien c'est ce qui va se passer, mais on va essayer d'éviter ça. Et il joue directement R2, très bien. Donc ça, c'est pour changer de direction. Quand je viens là, c'est pour couper ici. Il change de direction, il est en train de dire ce bord-là est peut-être plus intéressant pour moi que le bord sud. Je sais pas si je suis d'accord. Eh bien d'ailleurs, lui non plus. Ok. Bon. On fait atterrir de ce côté, sinon il obtient trop de puissance. Et on va protéger ici. Très bien. Et ensuite, il kick ma pierre. Il a envie que je monte. Et grâce à ça, il va pouvoir attaquer facilement ma pierre. Je monte. Et à ce moment-là, il pourra construire naturellement sa zone ici. Donc nous, on va éviter ça, je pense. Même si, bien sûr, quand il joue E4, c'est très puissant, hein. S'il a une pierre ici, la gueule de tigre, c'est vraiment fort. Mais ça donne pas trop envie de faire un groupe faible. Tac, il joue là. On s'en va certes, hein, mais après il faut vivre. Et lui, il développe naturellement pas mal de points. Il y aurait quoi? Minimum 3 fois 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y aurait minimum 25 points, on va dire. Minimum. Hein. Donc c'est pas mal. On va faire garder des coups d'approche par là plus tard. Je vais plutôt venir par ici, je pense. J'hésitais avec le coup en P8 également. Et lui vient cette scène. Ok, coin bord centre, très bien. Ce bord a l'air quand même plus intéressant, il y a plus de potentiel pour lui comme pour moi. Hein. Donc on va juste venir par là. Ici, il peut pas trop développer. Il continue une fois, on fait année. Il joue là, très bien. Ça donne envie de venir par là. Mais je sais pas. Le coup en P8 pour lui est vraiment fort parce que ça développe naturellement une zone intéressante pour lui. Alors que moi, ça développe une zone qui n'est pas si intéressante parce que si je viens là, il peut tout. Bah, pas forcément tout de suite, mais il pourra venir en R13 et jouer exactement la même forme que moi ici, la gueule de tigre. Et finalement, ici, je n'ai rien. Donc ce coup-là manque de panache pour moi. Je préfère peut-être venir directement réduire ou alors développer moi-même ma zone. Je pense que je préfère venir réduire. Qu'est-ce qu'il fait quand je viens ici? Il pince. Peut-être que je vais venir un peu plus par là. Oui. Tac. S'il fait son extension, ben, il a l'air un peu surconcentré quand même. Et moi je peux monter dans ce cas-là, il saute. On peut venir embêter.
Tac, tac, tac. Crosscut, c'est pas évident. On préfère avoir une pierre ici. Ouais, on préfère jouer ici, peut-être. Et s'il répond là, on peut venir ici. Puis s'installer. Ou peut-être qu'on a envie de jouer là. Il vient ici, on joue là directement. S'il coupe, Atari, puis Chicho. Qu'on a. Ça a l'air plus intéressant de faire ça. Il faut pas oublier qu'il développe ici fortement et effectivement. Mais nous, on a encore pas mal de potentiel par là. Donc avec ce genre de coup, on développe naturellement de ce côté également. Un petit coup à l'épaule sur sa pierre. Il rampe, très bien. On continue. Il fait des points sur la troisième ligne. Nous, on prend de la force en face d'un endroit où il veut développer fortement. Ça l'arrange pas de nous laisser faire un mur. Donc là, il va sûrement rajouter un coup. Il a deux stratégies, hein. Il peut soit rajouter un coup comme ça, ce qui a l'air pas mal, hein. Ça brise un peu le chichot. Soit il pouvait aller vers K4, j'imagine. Il continue une fois en tout cas. Ben... J'aime pas me prendre le hanné à la tête de trois pierres. Peut-être qu'il faut que je fasse ça tout de suite d'ailleurs. Ça a l'air d'être un timing intéressant. Et ensuite, je m'interroge, est-ce qu'il faut que j'aille là? Ou est-ce qu'il faut que j'aille par là? D'ailleurs, par là, il vient ici directement. Si on protège, c'est un peu moche. Peut-être plutôt par là. Et si je protège comme ça, il peut monter. C'est un peu moche pour moi. Ouais, peut-être juste partir tranquillement. S'il vient là, bah on connecte. Il monte, on vient là, on risque pas grand-chose. On va aller par là tranquillement. Mais on n'a pas les plus belles formes, mais bon. On essaie de réduire, de gagner un peu de force sur ce centre. Il vient là comme une bruce, très bien. On va connecter, hein, c'est quand même assez gros. Il n'a pas les plus belles formes du monde non plus. Hein. Il faut qu'il rajoute un coup. C'est pas... Il n'a pas des bonnes formes, moi non plus, mais. On est deux. Ouh. Bon, très bien. Je vais d'abord renforcer mon groupe. Mais il faut savoir qu'ici, ces formes ne sont pas très solides. Il y a forcément quelque chose. Des approches par là. On voit que par ici, il y a des problèmes de forme directement. Hein. Donc avec une pierre d'aide vraiment par ici, ça peut être sympa. D'abord, je vais développer par là parce que, comme je disais, tout ici, j'ai une zone qui est assez intéressante. Donc on va sauter. Et d'ailleurs, le hanné pour lui serait assez douloureux. On n'est pas encore vivant avec ses pierres. Donc, ça a un double rôle, développer le territoire potentiel, le moyau, et en même temps, défendre notre groupe, tout simplement. Il vient par ici, très bien. Il va avoir une pierre isolée. Ça donne envie de juste faire ça. Quoi d'autre? Parce que c'est un peu lent aussi quand même d'aller là. Il sort et ensuite quoi? Après j'ai pas de bonne façon de l'attaquer. Si je le touche, en fait ça va le renforcer et ça... il va pouvoir entrer dans le camp peut-être plus facilement. Si on fait Kema. On peut faire Kema comme ça lui aussi. Non, venir là tout simplement. On viendrait ici. Il coupe Atari. Tac. On recule. Si on va là, il capture. Tac, 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 Atari. Descend. Je viens là. Il va ici. On peut aller là. Mais là, il capture. On revient là. Ouais, c'est un peu chiant en fait, tous les formes. On va juste faire connecter comme ça, empêcher et il va sortir, mais bon. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal d'emmerdes. Je vais y être, hein, au BEMI, au coup 60 finalement. C'est compliqué ça. C'est compliqué. Faut savoir qu'ici il a des petites faiblesses quand même. Là il pourra plus développer, il pourra plus faire le Kema, le Yossé pour moi.
Il a une pierre isolée, donc la partie n'est pas si mal, hein, franchement, pour noir, je pense. La partie est pas si mal. Ouais, il joue un peu partout, il s'égare peut-être. Il veut rien me concéder, en tout cas, là, c'est noir ne doit pas avoir le moindre point. On a l'impression que c'est un peu ça. Très bien, très souvent, on a envie d'enfermer quand même. Ouais, on va enfermer. Encore une fois, on a une idée de développement ici. Ouh! D'accord, souvent c'est C16 quand même, hein, que l'on fait, ou voire E18, je crois. Mais ça, très bien, ça donne envie de renforcer vers mes pierres. Faut pas faire un Atari, hein, sauf si on a tout lu, bien sûr, là on peut. Mais très souvent, cross-cut, on fait un des cas de Nobby. Si je vais par là ou par là, le problème c'est qu'il peut directement faire des Atari qui vont être... Tac, tac, tac. On vient là, il peut faire Atari, puis Atari, donc ça c'est dangereux. Rien qu'un de ces deux-là, c'est dangereux. Il faut aller là ou là, je pense. Le plus naturel, ça a l'air de peut-être celui-là. S'il fait Atari ici, on descend, il revient là, on va là. Il peut renforcer, mais on n'a pas besoin de rajouter un coup, même s'il revient là, tac, tac, ça a l'air d'aller. Donc il aura encore une fois des pierres un peu isolées, on pourrait les pincer, et en fait il a juste des pierres isolées. S'il fait Atari de ce côté, bon... vivre dans le coin, mais ce sera pas bien glorieux quoi. Donc moi je dirais il fait Atari, tac, et il connecte directement. C'est peut-être le mieux pour lui. Après, est-ce qu'il voudra vraiment lâcher cette pierre? Peut-être, ouais, si, quand même, c'est normal. Connecte. Il peut descendre, hein. Mais ça me donne cette Atari d'abord. Il connecte et je reviens. Peut-être même que je reviens tout de suite. Ok, d'accord. Très bien. Je vais pousser là une fois. S'il connecte, on sort. Il vient là, très bien. Ça ne marche pas trop ce truc-ci. Ça demande un peu de réflexion. Si on fait Atari tout de suite, il sort. On fait ça. Atari. Tac. Capture. On peut pousser une fois de plus. Très bien. Tac, tac, tac. En fait, je regarde à quel moment on peut faire ce genre de truc où on lui fait un pâté. Est-ce que là j'ai droit? Ça veut dire qu'après je fais ça, il va là, j'ai plus de 3 libertés, on fait ça, noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Ouais, ça a l'air un peu risqué quand même. Ça a l'air un poil risqué. On va bientôt rentrer en BOB. 5 fois 20 secondes. D'accord. Très bien, il rajoute ça encore une fois. Tac, 10 tac. seconds. Quand on fait ça 1, fait quoi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ten seconds. 1, 2, 3, Ouais, c'est pas fou, hein, tout ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas fou tout ça. Tac, tac, tac. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. On va déjà faire ça. Alors, le double tari, mais là, si je viens ici, il descend. On a 4 10 libertés seconds. et on peut le 1, tuer. 2, 3, 4.
Et là, on peut venir, tac. Ten seconds. Ah, ça, ça a l'air de suffire. Si bien là, on peut même peut-être aller ici. Tac. S'il descend, on peut aller là. Non. S'il descend, on descend également. 10 seconds. S'il vient là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va faire ça, ça a l'air de suffire. Tac, tac. Il a 3 libertés, donc 4. Ah. Ok. Très bien. Ça sert pas à grand chose tout de suite. Très bien, il me coupe. Mais est-ce que c'est si dangereux? Parce que dès que je... Même s'il pousse, je fais ça, il est mort. Donc ici, ça donne plutôt envie de... 1, 2, 3, 4, de couvrir. 5, 6, 7, 8. De couvrir ces pierres, en gros, en fait. Attention à ça, hein, il faudra ajouter un coup. En plus, ça attaque un peu mes pierres, donc c'est pas mal. Très bien, il vient par là. On va mettre cette pression, justement, non? Peut-être par là. 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On vient par là. On va attaquer un petit peu tout ça. Il vient ici, on revient là. C'est goûté. Il a plus qu'une seule liberté. S'il rajoute... Ouais, il peut aller là, on capture. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que j'ai... Seconds, je suis... Oui, je serai lent parce que j'aurai un autre là. Ok. Three, ouais, il se passe rien de spécial ici, four, du coup. Five, donc, on peut venir... Six, seven, eight, nine. Pour revenir par là, vraiment, tac à la forme. Il joue très très vite. Tac, 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 il vient ici, seconds. Je viens là, One, Atari, two, tac. Three, four, ouais, ça a five. L'air d'aller, ça a l'air de passer ça. Ça a l'air de suffire. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, Atari, tac, mais ensuite tu dois reprotéger. Et nous on peut faire Atari et on prend. Ça suffit. Ça a l'air pas mal. Il reste un peu moins de 5 minutes, ok. Et s'il vient là, ben il a pas assez de place en recul, il vient là, on vient là. Ouais, il pourrait aller là d'abord. Ouais. Ouais, il préfère abandonner. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Il dit merci pour la partie. Hop. Ouais, il est parti. Bon, tant pis. J'ai fait une erreur à un moment, là il y a le graphe qui chute pour moi et qui remonte. Mais globalement, toute la partie, c'était. Ça allait. Bon, toute la partie, ça n'a pas duré trop trop longtemps. Pour ceux qui partiraient maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous le souhaitez, bien sûr. Merci. Et pour les autres, on va regarder ça vite fait. Tac, tac, tac. Ouais, on disait au début. Même si là, bon, imaginons, il rajoute un coup. Il nous reste peut-être ce genre de séquence. Où il protège. On vient là, tac. On vient ici. Et je crois que ça, c'est le code Milan, non? Il y a Mathieu Delizotti qui en parlait pas mal et il dit que c'est vivant, en fait. Je vais pas vous montrer toutes les variations, mais c'est plutôt OK. Et sinon, si Blanc décide de résister comme ça, s'il prend cette pierre, c'est pas très cool. Si il résiste, il faut avoir le chichot, sauf que là, il n'a pas. Donc c'est plutôt ok. Il peut pas le faire là. Il est obligé de résister comme ça. Et ça le fait pour nous. Super. Super, super. Enfin, il faut faire gaffe en fou c'est qui croisé notamment quoi. Si Blanc avait une pierre blanche là. Voilà. Tac. Ici, j'avais le choix de faire ça comme on l'a fait en haut. Mais je fais ça et il vient ici. Tac. Donc ça revient au même. Et ici, quand on fait ça en fait, normalement. Mais c'est pas la première fois qu'on le fait. Hein. On me l'a fait dans une... Une des dernières parties que j'avais postées aussi. Très souvent quand même, c'est pour faire ça. Et là, on revient là.
Tac, tac. Et c'est pas comme je l'avais dit dans une vidéo où on m'a repris d'ailleurs, j'avais dit épée de Damoclès. C'est Excalibur. Et ensuite, ça prend Atari. Tac. Et si on a le chichot, et si on l'a, on joue ça. Si on n'a pas le chichot, on joue là, qui fait office de briseur de chichot, en fait. Voilà. Et après, il y a pas mal de séquences, je vous laisse trouver sur internet, il y a pas mal de vidéos de je sais qui sur, sur le Sensan, vous trouverez pas mal. Hop. Donc moi, je résiste comme ça, j'avais regardé la dernière fois, je crois que c'était... J'avais des doutes la dernière fois, et l'IA dit non, ça va, c'est ok. Ok. Ok, ok, parce que blanc fait quand même un beau mur, mais en même temps, je vois pas ce que je peux faire de bien différent, quoi. Si je vais là, on risque de manger ça. Si on capture, on perd le coin. Si on résiste, ben il sort et finalement c'est un peu chiant. Voir, il continue son mur. De cette manière, par exemple. De cette manière, peut-être un peu plus solide. Si vous avez peur du pipan au 6. Mais bon, c'est cool pour blanc, quoi, j'ai l'impression. Je sais pas. C'est vraiment dur à dire. Mais bon, là je préfère rester solide. Blanc kick, très bien. Justement, il veut éviter les séquences de chichot où je vis. On pouvait peut-être monter tout de suite également, mais moi je voyais justement des séquences où c'est pas évident, forcément. Quoique ça va peut-être. Hein. Ça finit un peu comme ça, j'imagine. Comme ça, on fait la forme et lui. Peut-être qu'il peut résister comme ça, mais il risque d'annuler un peu son coin. Ou alors il risque comme ça, il assume qu'on fasse ça et il revient là pour développer. Et il a développé de deux côtés, c'est plutôt cool. C'est peut-être jouable. Hein. Qu'est-ce que ça dit ici, ça? Bon, l'estimateur est toujours aussi pourri, il dit que tous les pierres blanches là sont mortes. N'importe quoi. Hop. Il prend le Sansan, très bien. Une revue un peu express. Hein. Ici, on vient là. Ce qu'on visait, en fait, c'est si un jour il décide de couper, on a encore le chichot. Donc c'est plutôt ok. On sait qu'on va pas faire des points ici, donc autant prendre de la force. C'est pour ça qu'on fait cette séquence. Et bien sûr, s'il répond pas localement, ça c'est vraiment très puissant parce que c'est dirigé vers nos pierres. Donc il est presque forcé de répondre là. On continue, on continue. Peut-être qu'on n'avait pas besoin de faire ça. Peut-être qu'on doit tout simplement. C'est là où j'hésitais. Hein. Peut-être qu'on doit tout simplement continuer et dire ok, vas-y, fais deux points par deux points et moi je prends une force quand même. Assez conséquente, même s'il rajoute un coup, un peu, un jour, ça peut être chiant les approches, comme on est fort là, j'imagine. Et même s'il rajoute un coup, nous, quand on rajoute un coup ici, finalement, on a une force assez intéressante également. Je suis sûr, certains seraient même tentés par, imaginons ça, des coups par ici, pour dire, regarde, j'ai un potentiel énorme, et si tu viens là, finalement, je peux t'attaquer fortement, d'une manière ou d'une autre, comme ça, par exemple, je sais pas. C'est peut-être des tactiques un peu risquées, mais jouables. Ici, on renforce, il vient là, et finalement, il abandonne son idée. Il vient par ici, ouais. Là, ici, ce qui est classique, c'est de venir là, noir protège, tac, noir protège, et blanc vient là. Blanc est vivant, noir prend de la force, et on joue, des coups par ici. Soit un boshi là, soit un petit coup sur la cinquième ligne ici, ça doit être jouable par là, j'imagine. Ou encore une fois, certains aiment près ça, j'imagine aussi. Viser de se dire, de toute façon, même si blanc rentre, je vais obtenir quelque chose. Ouais. Hop. Et l'autre séquence, c'est... Attention, si on fait ça... Là, il y a un petit peu d'aide à côté, mais normalement, cette forme-là, grâce à ces trois pierres, normalement, blanc meurt ici. C'est assez compliqué. Mais je sais pas, parce qu'il y a un petit peu d'aide ici, mais très souvent, quand il n'y a pas d'aide, en tout cas, ça meurt. C'est assez risqué. C'est pour ça qu'il faut faire année. Et sinon, il y a ça de possible aussi, je pense. Si on fait ça... Ouais, c'est peut-être un peu... cas particulier, quoi, où il y a vraiment quelque chose à jouer par ici. J'imagine. On continue ça. On va arriver bientôt au moment où ouais, je fais de la merde. Ici, ça va, hein, ça progresse, c'est équilibré. Ça progresse, c'est équilibré en termes de points, ça donne quoi? Oups, j'ai mal cliqué. Non, en termes de points, c'est ok. Hein, franchement, j'avais un peu peur, c'est un peu bizarre, mais en même temps, j'ai pas trop le choix. Ici, on fait ça pour lui faire faire ses mauvaises formes. Et on vient là. Est-ce que ça marchait, là? Pouf, 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 pouf.
Là, c'est séquence un peu classique où il peut pas aller là, donc il capture, on vient ici, il peut pas aller là, donc il capture, on vient ici, il vient là, on vient là, ouais, ça marchait. J'aurais dû lire un peu plus. Ça marchait pour nous et c'est quand même un peu plus simple que ce qu'on a fait. On va pas se cacher. C'est plus concret, c'est plus direct. Par contre, ça marchait pas avec une liberté de main. Ça en a tout l'air en tout cas. Si on avait décidé d'aller un coup avant, faire cette. Non, justement. Hop, d'aller maintenant. Ouf. Allez là. Ça capture. On vient ici. S'il vient là. Si, ça marche toujours. Ça marche toujours. Ok, autant pour moi. Ah oui, la différence c'est qu'il était descendu ici, donc ça marche toujours, oui. Là, il faut qu'il ait d'abord se retiré cette liberté. D'accord. Il faut qu'il ait d'abord retiré cette liberté. Tac, tac, tac. Mais ça marche bien. Hein. Même s'il a rajouté des coups, ça ne change pas grand-chose. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est là où j'aurais dû mourir. Ça ne marche pas, il dit. Pourquoi? Oui, blanc passe devant. Donc, un coup comme ça, j'imagine. Et ça lance un coup. Alors que si on descend, tac, capture, tac, capture, il revient là. Ouais, c'est ça. Ok. Ici, j'aurais pu perdre, du coup. Et si on fait... Ouais, non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Bah, Yako. Oups. Si on revient là, ça peut venir là. Si on essaie de venir capturer, bah, ça vient là et c'est toujours co. Si on capture tout de suite, bah, il protège. On vient là, il vient là, on vient là, et c'est toujours co. Ok. Le pire, c'est que je le trouve assez rapidement, hein, ce coup, mais... Ouais. Attention à ça. Hein. Vraiment le coup important de la partie. Dans le graph, il chute et il remonte vraiment à ce moment-là. On l'a loupé tous les deux. Donc ici... Je ne dois pas faire ça, clairement, je dois faire ça. Ok. Comme je vous ai montré, tac, tac. Tac, 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 tac. Hop, 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 hop. Voilà. Ça va un peu vite peut-être. Bon, il y a le SGF en partie. N'hésitez pas à regarder par vous-même. Et... non, KGS, ça va sur la variation. Donc on a fait ça, et après le reste de la partie, ça retourne... Bon, on va peut-être regarder les petits bleus là qui montrent. Il remonte ça, blanc doit aller là. Ça marche toujours ça? Si je protège... Elle est ici? Ah ouais, c'était vraiment vraiment compliqué en fait pour moi. Parce que tout ça, ça marche pas encore pour moi. On va donner trop de liberté, c'est compliqué avec les coupes et tout. Ouais, c'est vraiment la cata en fait. Pour moi, j'ai vraiment fait des erreurs ici. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux. Enfin, ça aurait dû être beaucoup plus dangereux. Et après, pour moi, je capture cette pierre. Il faut qu'il aille là et ça rajoute des coups. C'est quand ça c'est compliqué où je protège. Il coupe, mais justement, comme on dit, hein, il y a des problèmes de coupe. On vient là, il connecte, il essaie d'avoir le plus de liberté. Il y en a 4. On en retire une. Fatari de deux côtés. Tac, capture ici. On vient là. Descend ici, on vient là. Ok, ici, force à compléter, et on est là. Pour gagner un peu de force et attaquer ça, et finalement, c'est lui qui est fort sur le centre. Ouais, c'est vraiment game changer, ça. Retirer une liberté ou ne pas en retirer. Ouais, ok. Ok. Voilà, la partie se joue sur ça, hein, vraiment. La partie se joue sur ça. Et là, je suis ouais, 50 points en avance, ils disent. Bon, peut-être un peu moins, il faut pas exagérer, mais je suis bien en avance, on est bien dans la partie. Ok. Bon, bah, ce sera tout pour cette fois. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, et n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à côté, à aimer la vidéo, tout ça, tout ça. Allez, bonne journée, et à la prochaine.